Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Le régime contre-attaque. Brouillard et purée de pois. Bien malin qui pourrait nous dire ce que nous concocte le régime dans ses officines feutrées où les quelques tout-puissants barons de la cambuse Algérie mettent au point et finalisent dans ses moindres petits détails les cruciales dispositions qu'ils veulent inscrire dans la nouvelle constitution et qui seront, bien sûr, proposées par les foules de partis politiques et de personnalités en tout genre qui s'agglutinent autour du maître de cérémonie, le bien nommé Oui Yahya. Les personnalités nationales attendent donc qu'on leur demande de proposer ce qu'on va leur demander de proposer. Vraisemblablement des amendements qui prévoiront des modalités d'intérim voire de succession à l'actuel chef de l'État s'il venait à disparaître soudainement. Bien sûr, tout ce beau monde fera semblant de proposer des choses et d'autres, des amendements sans aucune vraie portée. Mais il faut bien noyer le poisson, n'est-ce pas? Il faut bien enrober de chocolat et de douceur, de circonstances, la pilule amère qu'on va nous faire passer. En vérité, toute cette agitation et même cette précipitation autour de cette autre révision constitutionnelle, de cette énième révolution constitutionnelle, n'a pas d'autre motivation que d'assurer et de renforcer la mainmise de la mafiocratie qui tient le pouvoir. Ces gens n'ont pas réussi à imposer une réélection aussi outrancière d'un président totalement inopérant dont la santé est plus que défaillante et ne pas prévoir la suite des événements s'il venait à disparaître, sans prévenir. Les milieux qui ont orchestré cette réélection et la puissance étrangère qui les chapote ne sont pas des comiques méditerranéens. Ils ne laisseront pas un décès impromptu d'un homme qui a déjà un pied dans la tombe les laisser au milieu du guet. Il n'en est pas question. Et comme ils savent que la situation ne permettra pas de rejouer une autre force électorale, avec tous les risques et les effets pervers que cela pourrait engendrer, alors ils ont planifié comment les choses doivent se passer si un tel malheur venait à se produire, s'ils étaient soudainement privés de cette bien commode vitrine institutionnelle qui est devenue le président Bouteflika. La nouvelle constitution doit donc leur permettre de garder le pouvoir. Le problème est que pour la première fois depuis l'indépendance du pays, et toute proportion gardée, des forces plurielles, plus ou moins importantes, plus ou moins effectives, plus ou moins latentes, en tout cas diverses et variées, parfois même divergentes, hier encore violemment opposées les unes aux autres, ont pu s'asseoir autour d'une même table. Parmi elles, des personnalités du même régime qui y ont occupé des fonctions importantes, dont quatre anciens chefs du gouvernement. Le problème pour ce régime est que ces personnalités et les forces qu'elles représentent ont estimé, dans un consensus inespéré, que la nation était en péril, que la situation devait être redressée dans l'urgence, que ce régime devait partir de façon pacifique, quitte à le faire participer lui-même à ce qui a été qualifié de phase transitoire.
Les intentions des uns et des autres ne sont pas toutes aussi désintéressées, sans doute, ni suscitées par de mêmes objectifs. Mais il n'en demeure pas moins que cette conférence a pu cristalliser ce que personne n'aurait pu imaginer il y a quelques mois seulement, pour qui connaît ce régime, ses moyens, ses méthodes. C'est pour cela que, de l'avis de tous les observateurs avertis, cette initiative politique est susceptible de cristalliser un mouvement politique de très grande ampleur et qui pourrait être embrassé par des millions de citoyens, qui donc, par conséquent, pourrait signifier la fin de ce régime. Un régime qui sait évaluer les risques et qui donc a été le premier à saisir tout ce que cette conférence et les autres lames de fond politiques qui se lèvent ici et là peuvent signifier pour lui. C'est pour cela qu'il a entrepris de laminer cette initiative, de la disperser, de semer en son sein la discorde et les luttes d'ego, et il en connaît un bout en la matière. C'est pour cela aussi qu'au sein de toutes les forces qui sont liguées contre lui, il a commencé à distiller le venin de la division, de la corruption et du chantage, de la dispersion, du cafouillage, de l'enfumage. C'est pour cela aussi qu'il a ressorti du placard l'épouvantail islamiste en attendant qu'il agite celui de la guerre civile. Il ne faut pas douter qu'il mettra tout en œuvre pour faire exploser cette union sacrée qui se construit. L'expérience, les moyens et la léthargie populaire sont autant d'atouts qui se jouent en sa faveur. Il ne s'en privera pas. C'est dire toute la complexité de la situation, c'est dire que l'organisation de la lutte, pour appeler les choses par leur nom, ne sera pas facile. Aujourd'hui, Al-Watan, où Yahya, il n'y aura pas de retour du fils dissous. Le soir d'Algérie, lors d'un point de presse où Yahya critique et tente de séduire l'opposition. Liberté, où Yahya a dit. Avec nous aujourd'hui pour parler de cet embrouille à Mini, Behbouh Nordin, ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche, président de l'UFDS, et Lila Haddad, journaliste accrédité auprès du Parlement européen. Monsieur Nordin Behbouh, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, Yahya vient de sortir du guet. Il commence à faire des effets d'annonce, pas de retour du fils, pas de transition. Des gens qui sont autour de lui commencent à s'agiter. Et en votre sein, au sein de la CLTD, comment ça se passe? Nous, on est serein, notamment au niveau du pôle de l'opposition, du pôle que nous avons créé pour les libertés et du retour à la démocratie réelle. Nous sommes sereins, nous n'avons pas du tout à nous angoisser ni à stresser par ce que dit M. Ouyahia. Nous savons que, d'abord, si on analyse ce qu'il vient de déclarer, moi je peux vous citer tout simplement un tas de contradictions, et ce n'est que contradiction sur contradiction. Il critique sans arrêt l'opposition d'un côté et il invite à participer à la consultation d'un autre côté. Ça, c'est une contradiction. Oui. Il parle parfois de dialogue alors que ce n'est pas un du tout, puisqu'il a invité les partis politiques à une consultation. Oui. Je pense qu'il n'y a rien. C'est très bien de faire la différence entre une consultation et un dialogue qui suppose une réunion consensuel, un dialogue ignorant parfaitement que le consensus, il parle de consensus, alors il a parlé de consensus, c'est ce qu'a demandé l'opposition, alors que le consensus est l'aboutissement d'un véritable dialogue inclusif qui est inexistant. Une autre contradiction, il fait l'éloge du FIS, du FFS, qui est pour des considérations tactiques, comme le soulignent ses dirigeants, a accepté, disons, à participer à la consultation. Et oui, rien va très loin. Il a même accepté la démarche du FFS, qui souhaite organiser une conférence
Et il dit que le pouvoir ne pourra pas participer, mais les partis politiques de l'allégeance peuvent participer. Donc vous voyez que ce ne sont que des contradictions. Mais justement, monsieur Behbour, que pensez-vous de ces partis qui sont assis autour de la même table que vous dans votre initiative et oui. qui sont partis assister aussi à ces consultations, pour les appeler comme ça, de monsieur Ouyahia? Vous savez, en politique, vous savez, nous, on a appris à connaître, disons, le fonctionnement des partis politiques. Et très souvent, nous sommes étonnés par des comportements de ce type-là. Mais lorsque vous parlez avec leurs dirigeants, ils vous disent que nous agissons sous une forme tactique. Si le pouvoir accepte ce que nous faisons, nous devons nous considérer comme des démocrates. Bon, c'est une justification qui peut trouver peut-être un écho, mais moi, je ne suis pas de ces gens-là. Moi, je suis de ceux qui, en politique, il y a les principes avec lesquels on ne doit pas tergiverser et sur lesquels nous devons tous nous unir. Mais en tout cas, dans toute la situation actuelle, nous savons que le pouvoir a commencé à s'infiltrer à l'intérieur et On a perdu M. Nordin. Bon, on va le rappeler. Lila Haddad, journaliste accréditée auprès du Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation, Lila. Merci à vous. Alors, je vous repose la même question que je viens de poser à M. Behbouh. Que pensez-vous de ces partis, surtout des partis qui ont de l'expérience hein, et qui ont de la politique derrière eux, qui donc assistent à la CTLD et qui après vont assister à cette fameuse consultation d'Ouyahia, dont tout le monde, à peu près, de moyennement intelligent, sait que tout est préparé à l'avance, qu'il suffit juste de faire un peu de fumée pour faire croire que c'est les autres qui ont proposé ce qui va sortir. Que pensez-vous de ces formations politiques qui jouent sur les deux bords? Écoutez, moi je vais vous dire d'abord que le pouvoir, c'est-à-dire les gens aujourd'hui qu'on appelle les frères Bouteflika et le régime en place et leur clan, ils sont aux abois. C'est-à-dire ils sont en situation de faiblesse. C'est pour moi de la provocation, ni plus ni moins. Le fait de leur dire venez en dialogue, venez on se consulte, il n'y a pas de dialogue là, c'est du monologue. Quand vous entendez hier ou avant-hier, donc hein, c'était hier, parce que je viens d'écouter cela sur YouTube, où ce monsieur Ouyahia a une question posée sur la situation du Front islamique du Salut, où il dit « Je vous confirme qu'il n'y aura pas de retour du fils dissous ». Donc sur par rapport à sur la scène politique. Moi j'ai envie de dire Jamal Adin, quelle légitimité il a pour décider avec un président grabataire et légitime lui aussi de réviser la constitution ou pas et avec qui? Oui. Je pense que ce sont ces questions fondamentales qu'il faudra poser. Se dire la solution d'une transition démocratique comme la veut le peuple algérien, à mon sens, si j'ai bien suivi ce qui se passe en Algérie, c'est cette initiative qui a rassemblé un maximum de personnalités opposantes, des anciens ministres, des islamistes, de la vraie opposition, et à tous ces jeunes hommes et femmes politiques qui ont rejoint donc la scène politique en Algérie tout récemment. Vous me parlez de ces gens-là qui ont un pied dedans, un pied dehors de chaque côté. Ça s'appelle en politique de l'opportunisme. De l'opportunisme. Et l'opportunisme à l'état brut, hein, donc à l'état grossier, j'allais dire, tout simplement. Mais il faut que des gens qui ont de la conviction, de la vraie conviction politique, qui veulent réellement que l'Algérie change et se lance dans un véritable processus démocratique, comme aujourd'hui, même s'ils ont hier fait partie de ce régime, et je pense à M. Mouloud Hamlouch, à M. Ahmed Ben Bitoul, à M. Ali Ben Sliss, à un certain nombre de membres du Front islamique du Salut.
Ces gens-là, je suis certaine qu'ils veulent un véritable changement. Mais ma question, et j'aimerais bien, vous aussi, monsieur Jamaluddin, vous participez à ce débat qui est très, très intéressant. Et Merci. je salue votre plaidoyer, votre introduction Merci. que vous avez dit avec tellement de justesse et de vérité. Merci. Je ne sais pas si on m'entend, parce que moi, je On vous n'entends entend plus très de... bien, surtout quand vous me faites des compliments, je vous entends des de deux oreilles. Là, vous pouvez être sûr. Merci en tout cas, Lila, vous êtes très aimable. Donc, j'espère que vous avez repris le contact avec l'ancien ministre Nourdine Bahbour, que je salue. Oui, il est avec nous, oui, il vous Très entend, bien. oui. Très bien. Et donc, je parlais des gens qui ont cette volonté de voir les choses changer réellement, c'est-à-dire vraiment s'engager dans un véritable processus démocratique. Et la question que j'allais vous poser, Jamaluddin, est-ce que les Algériens veulent une révision de la Constitution ou est-ce qu'ils veulent vraiment une nouvelle Constitution? C'est-à-dire passer par une constituante un peu à l'image de ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, en passant par ce que moi j'appelle une révolution de velours. Hein, il n'y a pas besoin de sortir dans la rue, crier, etc., puisque ça ne marche pas. Hein, les gens sont muselés, ils sont, etc. Donc pour passer par une constituante, et je pense que des femmes et des hommes politiques qui font partie de ce que vous avez appelé tout à l'heure très justement l'union sacrée. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Le Nourdine Bahbouh, la question de Lila Haddad me paraît très intéressante. Elle vous est donc tout naturellement posée, puisque vous faites partie de la CLTD et que vous avez abordé ce problème éventuel de constituant. Nourdine Bahbouh? Est-ce que Monsieur Oui, Nourdine Bahbouh, m'intéresse. oui? Vous me suivez, là? Vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Je vous dis tout simplement que ce qui intéresse les partis politiques, notamment l'opposition algérienne, toutes tendances confondues, c'est un véritable retour à la légitimité populaire. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et nous avons dit que nous menons notre combat autour d'un retour à de la construction de la légitimité. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous vivons dans un pays où non seulement il y a un manque de légitimité, et même si la légitimité elle est entachée, elle est entachée de fraude, des passages, ce sont des coups de force, ce ne sont pas des élections, nous avons tout est permis, l'argent sale, la pression, le muselage de l'opposition, le muselage des médias, les personnalités politiques sont également mis sous embargo. Donc vous avez toute une situation ubuesque qui nous paraît inconfortable et qui n'est pas du tout dans l'intérêt du pays et qui n'est pas celle que ceux qui sont morts pour ce pays l'ont souhaité. Donc, que ce soit nous, on dit tout simplement, s'il y a de bonnes intentions, le pouvoir peut organiser une véritable conférence et un dialogue Mais inclusif. Monsieur Bahbouh, excusez-moi de vous interrompre. Quand vous Oui. posez une telle vision des choses, j'espère que vous rigolez. Vous imaginez que le régime peut avoir de telles bonnes intentions, qui va Il vous faut. laisser le bouter hors du régime? Vous avez vous-même fait Écoutez. partie de ce régime, vous le connaissez depuis l'intérieur, vous Écoutez. savez que ce régime Non. est capable de tuer la moitié de la population algérienne plutôt que de laisser le pouvoir à d'autres. Vous le savez très bien. Non, on laisse le pouvoir au peuple. C'est tout ce qu'on demande. On ne cherche pas le pouvoir aux autres. Nous, on demande que le peuple, que c'est Mais le ça peuple n'arrivera organise. pas. Ce régime ne se Maintenant, laissera pas faire. Ce régime écoutez, n'acceptera pas et ne jouera vous pas le prêtez jeu. trop d'attention. Vous savez, la preuve, il est aux abois. C'est Oui. bien dit, madame l'a bien précisé, il est aux abois. Il suffit qu'une opposition, une véritable opposition s'organise. Une fois qu'elle développe le même discours sur deux ou trois sujets importants, à savoir la démocratisation de la société, la liberté d'expression, la liberté de presse, toutes les libertés dans notre Mais confondu, comment, et Monsieur une Bahbouh, opposition active. comment cette opposition Si? pourrait en arriver à ce que vous êtes en train de décrire, ça veut dire à une véritable opposition capable de chasser ce régime, même pacifiquement, même par une transition,
Comment on est arrivé à cette phase? Ce n'est pas seulement en faisant des réunions. Ben oui, il faut s'adresser au peuple maintenant. Ce que nous menons comme discours, ce que nous menons comme plateforme, ce que nous menons comme démarche, et ce que nous avons arrêté. Parce qu'aujourd'hui, le seul consensus qui existe, il est à l'intérieur de l'opposition. Il faut le souligner. Vous avez bien dit, vous avez bien précisé que vous avez des partis politiques et des personnalités politiques de toutes tendances confondues, de tout horizon divers, avec des idées par moments contradictoires, qui sont arrivés à s'entendre sur 3 ou 4 objectifs. C'est fondamental, c'est fabuleux. Et c'est ça qui inquiète le pouvoir. Il faut que vous le sachiez. Vous savez que maintenant, il n'y a pas le nom du pouvoir. Vous savez, c'est encore quelque chose de vraiment, de, je ne sais pas, moi, je ne peux pas l'expliquer. Où il n'y a rien, il parle le nom du pouvoir. Alors qu'Ouyaha n'a été chargé que sa mission est très claire. On a aujourd'hui, Ouyaha se considère comme incarnant le pouvoir. C'est des choses qui sont, moi je vous dis une chose, c'est une panique à l'intérieur de la maison de pouvoir qui fait qu'aujourd'hui on commence à racoler à droite, à gauche, lançant un clin d'œil par-ci, menaçant par-là, fermant une presse lorsque cette presse n'est pas aux ordres. Ce sont des techniques et des pratiques qui sont très connues. Éprouvées. Restez avec nous, Nordine Bahbouh. Lila Haddad, à votre avis... La façon, déjà c'est un très grand pas, dont vous-même vous avez dit la fois passée, que c'était un événement historique, et je suis tout à fait d'accord avec vous, pour qu'il y ait eu une telle réunion, une telle conférence, c'est vrai que c'est réellement historique. Mais, et la suite des événements, est-ce que le fait d'avoir pu se mettre autour d'une seule table suffit? Est-ce que le fait... d'émettre des intentions de bonne volonté, d'aller vers le peuple suffit. Qu'est-ce qu'il faudra en fait pour que cette opposition se mette vraiment en branle et devienne vraiment effective, selon vous? Il faut être pragmatique. Oui. Il faut concrétiser. Il faut commencer par concrétiser ce qui est sorti, ce qui a découlé de cette grande conférence. Mais il encore. Faut aller de l'avant. Mais moi, encore. Je ne comprends pas comment de grandes personnalités, pas toutes, mais certaines, donnent encore du crédit. Je n'ai absolument rien contre la personne de Ouyaha, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je veux dire, le poste qu'il occupe, il est illégitime. Pourquoi perdre tant de temps et de salive pour écouter ce que lui dit? Est-ce que lui écoute les autres? Vous avez parlé de... Il n'y a pas de dialogue. C'est un dialogue de sourds ou c'est un monologue? C'est un régime qui ne sait pas dialoguer. C'est un régime qui veut imposer par la force. C'est un régime qui menace pour rester au pouvoir. Et donc, vous me dites, Jamal Eddine, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Moi, je pense, j'ai pensé comprendre que cette conférence... a privilégié le fait de mettre en place une nouvelle constitution. Il n'y a plus le temps de rafistoler. On ne va pas rafistoler le vieux, ça ne marche pas. Mais ils n'en ont pas... Le ministre Nordine Bahbouh vous disait, oui, la liberté d'expression, etc. C'est du rafistolage, il faut aller dans le fond des choses. Il faut mettre en place une assemblée constituante qui sera cette institution. Mais le régime ne les laissera pas faire, Lila. Le régime ne les laissera pas faire. Le régime est là, bien assis sur ses fondements, reposant sur 600 000 membres de forces de sécurité, dont l'armée, la gendarmerie, les militaires, etc., les policiers, etc. Ne soyons pas défaitistes. Comment aller vers cette constituante? Il y a de grands hommes dans cette initiative. Ils ne se laisseront pas intimider par les frères Bouteflika et leur clan. Vous parlez de l'armée. La grande muette parlera, dira son dernier mot, va parler un jour. Et tout le monde le sait, ce n'est plus un secret pour personne que la majorité des grands décideurs de la grande muette ne sont plus avec les frères Bouteflika et leur clan. Donc, je pense que des hommes et des femmes, comme votre invité, que je ne connaissais pas et dont je suis ravie avec lequel je suis ravie de discuter via votre émission, des gens comme M. Ali Benflis, encore une fois, des gens comme M. Benbitour, comme M. Hamrouche, comme les autres, de toutes les obédiences
dont je ne connais pas tout. Vous le savez, depuis Bruxelles, ce n'est pas évident de suivre tout. Moi, j'ai confiance en ces gens-là. Moi, je suis certaine qu'ils iront jusqu'au bout et ils ont des garanties de la Grande Muette. Merci, Lila. La Grande Muette ne se fera pas, ne se laissera pas avoir une cinquième fois. Merci, Lila. Nous allons passer cette question à M. Bahbouh avant de clore l'émission. Donc, M. Bahbouh, si vous avez bien entendu Lila Haddad, qui dit faire confiance à l'armée, qui se dit convaincu qu'elle interviendra. Moi, personnellement, je suis sceptique. Moi, je crois que tous les officiers du haut commandement, les grands décideurs de l'armée sont du côté du clan qui a le côté du manche. Et vous, à votre avis? Écoutez, j'ai aimé ce que disait Madame Haddad. Je suis très, très ravi par son discours. Toutefois, il y a deux précisions de taille que je voudrais citer ici. La première, en l'occurrence, lorsqu'on fait de la politique, il faut être pragmatique et réaliste. Venir à une constituante, si le pouvoir lui-même ne décide pas d'organiser cette constituante, vous savez, on ne pourra aller nulle part. Et moi, je vous dis une chose, c'est le but qui m'intéresse. La constituante, il faut avoir des élus, il faut avoir... Le FFR, ça fait 50 ans qu'il demande une constituante. Donc, et il n'a pas pu l'avoir. Alors, donc, 50 ans, et donc, moi, je vous dis tout simplement, qui ouvre un véritable dialogue, un dialogue sincère, inclusif, dans lequel participent toutes ces personnalités qui ont été citées, que je connais personnellement, que je connais tous, donc, qui sont des c'est amis. C'est au régime que vous lancez cet appel? C'est au régime que vous lancez cet appel? Alors, là, c'est ça l'appel. Moi, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'on dit que les décideurs à l'intérieur de l'armée sont contre le clan de Bouteflika, je suis désolé de le dire, madame, sans vouloir critiquer l'institution militaire que je respecte énormément, je dis tout simplement, s'il n'y a pas un modus vivendi, un accord, Bouteflika n'aurait pas le quatrième mandat. Il faut être réaliste, quand même, un homme gravataire, un homme finissant, un homme incapable de son fils, est accepté d'être le président de la République algérienne. Moi, je ne pense pas que c'est Bouteflika qui est plus fort, mais en tout cas, s'il n'y a pas toute la France, toute l'armée, il y a au moins une partie de l'armée qui est consentante et qui a accepté que l'Algérie soit décidée, dirigée malheureusement par Bouteflika. Donc il ne faut pas nous tromper, je pense que c'est le véritable débat se trouve ici. Merci Nourdine Bahbouh, merci Lila Haddad. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir accompagnés. À la prochaine. Salam alaikum, mazul fillahoun.